Hello tout le monde, c'est Enora22, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour One Step After Fall, un jeu développé par TBGS Indie Studio et édité par The Bergensons Game Studio. Installez-vous confortablement sur votre canapé, votre lit, votre chaise de bureau ou sur vos WC, peu importe. Let's go! Alors dans ce jeu, il existe trois fins différentes. Nous allons commencer par la mauvaise. Et pour cela, eh bien, nous n'allons ramasser aucune lettre, uniquement ceux qui ont un lien avec un succès bien spécifique. And here I am, this time to finish things up. Et là, donc nous allons commencer par ramasser notre premier objet, qui est cette lettre. Donc là, nous allons commencer par nous rendre vers la cabane là-bas. Et puis, dans cette cabane, vous verrez, il y a une photo qui sera récupérée. Mais tout d'abord, vous devez interagir avec la poignée de la porte. Pour ça, vous Oh, cliquez damn key. sur I knew I had RT. forgotten something. Avant d'aller récupérer la clé de la cabane, on va juste s'intéresser à un livre qui s'appelle Sea of Thieves. Alors, je ne sais pas si c'est un clin d'œil au jeu de Microsoft, mais voilà, il y a un livre à récupérer qui porte le nom du même jeu. I should go fishing one last time with John. Pareil, cliquez sur le livre et puis une cinématique va apparaître. I must be seeing things. Better stop the medication. Là, on va pouvoir récupérer la clé pour ouvrir la cabane. Donc pour ça, vous voyez tout en haut, il y a un moulin à vent. On va s'y rendre. I did not want to go to the mill. There are so many memories. Il est très important d'avoir interagi avec la poignée de la porte de la cabane parce que sinon la clé n'apparaît pas. Donc dans ce jeu, il y a vraiment des actions à faire dans un ordre bien précis, bien déterminé. Donc là, il y a la clé. Vous voyez, on va la récupérer. Pareil, RT. Alors, le curseur est assez petit, donc pour viser, c'est pas pratique, mais RT, voilà. On redescend, on va se rendre à la cabane. Et puis pour ça, vous cliquez sur LT. Vous sélectionnez la clé ensuite avec RT. Voilà. Là sur le lit, vous avez une photo qui est à récupérer. Pareil, RT. Et ça va être donc notre troisième succès. You were beautiful that day, Cameron, but unfortunately, I screwed up. Ensuite, rendez-vous tout au fond de la cabane, sur votre gauche. Il y a un casier. Là, prenez la clé. Finally, now let's get down to business. My gun.
Voilà, donc pareil, on va pouvoir récupérer entre guillemets l'arme, enfin visualiser plutôt l'arme. Donc pareil, LT et sélectionner ensuite RT pour avoir accès à l'arme. Donc cette arme, elle est très importante en fait pour cette mauvaise fin. Vous verrez, vous allez comprendre pourquoi. J'essaye de pas trop spoiler. Donc là, il va falloir ensuite cliquer sur effectivement le tiroir du bas, puis ensuite sur la boîte de pilules pour obtenir le prochain succès. Donc là, on va revenir en arrière. Alors, vous pouvez courir un petit peu plus vite en appuyant sur LB si vous le souhaitez. Donc là, vous voyez une sorte de tour. On va grimper tout en haut. I don't know. I have courage to do this. Pour pouvoir I grimper must continue. avec l'échelle, et eh bien pareil, vous sélectionnez l'échelle, enfin vous essayez de mettre le curseur sur l'échelle, puis RT et le joystick vers le haut. Là, sur le bureau, il y a une clé, pareil, près de la tranche de pain. Et ça va nous permettre d'ouvrir un coffre. Ensuite, pour redescendre, vous ferez très attention, hein, il faut essayer de viser l'échelle avec votre curseur, sinon vous allez déclencher une fin tragique, et ça, on le verra, lors de notre deuxième run. Encore une fois, j'essaie de pas trop spoiler, mais bon, je pense que vous avez compris. Donc là, avant de nous rendre vers le coffre, eh bien, on va aller récupérer un objet. Donc là, depuis la porte de la forteresse, vous essayez d'aller tout droit jusqu'à croiser ce petit chemin en terre. Et puis, on va essayer de le suivre. Prenez ensuite à droite. Et puis, pas très loin d'ici, il y a une table de pique-nique. Voilà, vous courez avec RB hein, si vous souhaitez aller un peu plus rapidement. Voilà, et sur votre gauche, il y a une table de pique-nique. Vous voyez une sorte de lumière. De passer les arbres. Voilà. Et dans le panier, il y a un autre objet à récupérer. Pas évident. Voilà. Donc, zombie numéro 2. Alors probablement qu'il y a un zombie numéro 1 à récupérer quelque part par là. Mais bon, nous on fait vraiment en lien avec les succès qui sont bien spécifiques. Donc on ne va pas tout collectionner, on ne va pas tout regarder, on ne va pas tout ramasser. Donc là, essayez de revenir sur le chemin de terre. On va revenir ensuite en arrière. Donc vous partez sur votre droite.
puis à l'embranchement ici, vous revenez de nouveau en arrière. Donc vous partez sur votre gauche jusqu'à percevoir la fameuse tour. Et donc là, on voit le lac. Parfait. Donc, vous longez le lac et puis vous voyez la cabane en bois. Et là, vous voyez derrière un puits. Et donc là, on va ramasser de nouveau un objet bien spécifique qui se trouve par terre. Donc, faites le tour du puits. Vous devriez trouver un livre rouge. Donc là, on va se rendre vers la cabane en bois ici, enfin plutôt la grange. Donc nous, on va passer par cette porte. Et puis, un tout petit peu plus haut, vous allez voir une sorte d'épouvantail. Pour regarder un peu le paysage. Voilà, donc vous montez en haut de cette butte et là vous avez un épouvantail. Il suffit de vous approcher de l'épouvantail. Là, nous allons pouvoir ouvrir le coffre et obtenir le succès avec la mauvaise fin. Donc, monter à l'échelle juste ici, pareil. Sélectionner avec RT l'échelle. Shit, I need the key. Et là, vous avez la mauvaise fin. Pourquoi ? Parce que vous avez les munitions de votre arme. Donc, si vous avez les munitions de votre arme qui apparaissent dans le coffre, c'est que vous êtes dans la mauvaise fin. Et donc, nous allons pouvoir effectuer cette mauvaise fin. Donc, on va retourner. J'ose pas couper la grosse voix. On va retourner donc vers la cabane où on avait trouvé notre arme tout à l'heure. I'll be here to watch your fall. Voilà, bon, vous sélectionnez votre arme avec RT, LT, puis RT. My name is Steve Robinson. I did the best I could, but it's time to finish this story. Voilà, donc la fin, mauvaise fin. La fausse fin, en plus. On va pouvoir faire une deuxième fin un peu tragique. Je pense que vous l'avez compris. Donc, commencer un nouveau jeu. Et pour cette fin tragique, eh bien, rien de plus simple, on va se rendre directement à la tour.
Et là, eh bien, vous n'avez plus qu'à sauter, malheureusement. Et voilà. Nous sommes morts et nous avons donc débloqué la fin tragique. Nous allons pouvoir commencer la troisième fin, la meilleure. Donc pour cela, il va falloir ramasser les lettres dans un ordre très précis. Si vous loupez une lettre, eh bien le reste des lettres n'apparaîtra pas et donc vous ne pourrez pas obtenir la bonne fin. Donc suivez-moi, faites bien attention aux lettres que je vais ramasser dans cet ordre bien particulier. Voilà, donc là on va ramasser la deuxième lettre de Steve. Interagissez avec la poignée à nouveau parce que sinon la clé n'apparaîtra pas sur le tonneau. Ça, c'est très important. Là, on va se rendre au moulin et là, on va ramasser donc la clé et la troisième lettre de Steve. I did not want to go to the mill. There are so many memories. Donc là, ramasser la lettre. Et puis, ramasser ensuite la clé. On va retourner dans la cabane. Donc là, je vous rappelle LT et RT. Ramassez la photo. Ramassez ensuite la lettre qui se trouve sur la table. Et là, nous allons pouvoir ramasser la lettre qui se trouve sur le casier. Et ensuite, cliquez sur cette lettre. Là, on va se rendre au niveau de la tour. Pareil, on récupérera une lettre et une clé. Donc là, RB pour courir. I don't know. I have courage to do this. I must continue. Donc on va prendre la lettre qui est juste derrière le livre et I know, ensuite Bo. la clé. You have done a lot for me. Donc c'est très important de prendre les lettres dans un ordre bien précis, je le répète, parce que sinon les lettres suivantes n'apparaîtront pas. Si une lettre vous manque, il faut vraiment pas hésiter à revenir en arrière sur cette vidéo pour voir quelle lettre vous avez manqué. Donc là, on va se rendre à l'intérieur du bâtiment pour récupérer encore une lettre. La lettre, elle se trouve donc la tête du scaphandre. Là, on va revenir en arrière. Donc là, vous partez légèrement sur votre gauche pour rejoindre le chemin que nous avons emprunté au tout début.
puis là, on va aller sur le ponton où il y a la lettre de John. I should go fishing one last time with John. Voilà, qui est juste à côté du livre. On ne le voit pas bien, mais qui est juste à côté du livre Sea of Thieves. Moi, j'ai cliqué encore sur le livre Sea of Thieves parce que ça m'a amusé, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Hein. Moi, c'est juste que parce que j'ai adoré l'animation, c'est pour ça. Mais vous n'êtes vraiment pas, encore une fois, obligé de cliquer sur le livre. Cliquez simplement sur la lettre. Là, on va se rendre au puits et vous voyez, il y a une lettre qui est accrochée. Cette lettre, elle se trouve juste au-dessus du livre que nous avions ramassé tout à l'heure. Voilà, on récupère. Et puis là, nous allons pouvoir nous rendre dans la cabane et voir si, effectivement, il y a quelque chose de différent dans ce coffre. Je spoil trop, je spoil beaucoup trop. Donc là, il n'y a rien à ramasser. Donc là, vous pouvez monter directement, ouvrir le coffre. Shit, I need the key. Voilà. Et donc, à la place des munitions de l'arme, vous voyez une lettre. Donc, ça veut dire que nous avons récupéré toutes les lettres dans un ordre bien spécifique. Thank you, Mom. I will never forget those words. Et donc là, on a donc réussi notre mission. On va redescendre et on va se diriger vers cet halo lumineux, tout droit. Voilà, nous avons donc débloqué la bonne fin, la fin heureuse, tant mieux. Et ça nous a pris à peu près 25 minutes. Donc voilà, succès assez rapide. Moi sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mettre un pouce vers le haut sur la vidéo, à commenter si elle vous a plu. Vous pouvez me rejoindre sur Twitch et sur Twitter. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. À la prochaine. Ciao.